jetting, kitting, go jetting, everything out. Be neko say, I jar you to go. I'll be a half of Kabende, okay, then. Go jetting, kitting, go jetting, everything out. Be neko say, I I'll be a half of the wind and long. Me not to do Tarasia yet. It cannot be. Merci. Tu vas bien? Moi, des fois, ça va aussi. Merci d'être venu. Je vais tout de suite inviter un ami à moi. Un très grand ami à moi, grand ami, Monsieur Vincent Perani. Et nous avons commencé ce programme avec une pièce de Jacopo Story. J'aime bien les gens qui courent toujours. What the fuck is going on? People running like crazy up in front of stage. Anyway. Et
Nous allons continuer, nous allons jouer Shiva Mantra. Et la prochaine pièce, c'est... What's the next time again? Ouais. Le prochain morceau est un morceau de Jaco Pastorius et il est intitulé Three Views of Secret. Thank you.
La raison pour laquelle nous vous rendons visite ce soir, ou vous nous rendez plutôt visite, c'est parce qu'on a un nouvel album. Vous êtes au courant? Waouh! Ils ont même le titre. Nous allons donc vous jouer un nouveau titre du nouvel album que vous connaissez tous. Et le titre, c'est Mutesukudo, qui veut dire en français Mutesukudo. Banatano Mutesukudu Nasita na bene we Mwandi emba kalati Punambanatano Mutesukudu Nasita na bene Mwende yemba kathati Na timbi noko kawane Mwende na bene noka tuwele Kwa mbibu Wasenye deni kawwe Longa mwende deni ka Timbino ko kanya Mondi na benino na tuwe Na mwenye Wasenye deni kawke Longe mwende deni kawke
Natimbino kokane Monde na benino betwe ye ye Jide laume Wasinye de ni kauti Longan monde de ni kan Natimbino kokane Monde na benino betwe ye Singing in me, God, long and more in the Nika. Was singing in me, God, long and more in the Nika. Was singing in me, God. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait vous jouer maintenant? On va vous faire un premier set. On a fait toute cette tournée en fait en jouant que des sets uniques, quoi, un set. Et là, on va devoir vous faire deux sets. Donc on va vous faire un petit set tranquille et on vous revient plus tard vous faire un set pas tranquille. Ok. Et j'ai envie de jouer un autre nouveau morceau. Oui, bah ouais. Je vais vous présenter l'album, hein, comme je sais que vous ne l'avez pas encore. Oh, je vous connais. Je parle de ceux qui ont acheté les albums. Pas ceux copiés online. Ça. Qu'est-ce que je pourrais vous jouer? Oui, on va vous jouer un morceau intitulé Django La Maya, qui veut dire en français. Vous êtes des génies ici, vous. C'est pas ça? Si, c'est ça. Hein? Mais de toute façon, c'est ça. Hein? C'est qui le chef ? Tabari mama Matindi matindi odi lamba Songa bobe to moto atiti otopo Nikanyende mbandu tujitari E
Thank you.
Vincent Perani. Nous allons accorder un petit break à notre quatuor. Un petit break, ils vont revenir. Mais j'ai oublié de vous raconter. Nous avons joué à Marseille, nous avons joué à Toulon. Mais le soir du concert à Marseille, je les ai présentés comme notre célèbre quartet à cordes parisien. Et là, on a failli avoir un incident diplomatique. Et aujourd'hui, je vais les présenter comme notre quatuor corde marseillais. Marseillais. Mais avant que vous quittiez la scène, non, déjà, je vous présente ou je vous fais un petit... Ah ouais, ouais. Premier violon, Joanne Renard. Deuxième violon, from Italia, Mario Forte. Le seul vrai Parisien, mais vrai, vrai. C'est le Parisien, quand tu le regardes, déjà, tu sais que lui, il est Parisien. Il est Parisien. Alto, Fred Palace. Once again, Fred Palace, man. Parisien. Et au violoncelle, Jean-Philippe Weiss. Yeah. Et avant qu'ils ne quittent la scène, je vais quand même leur faire un petit test, parce que I get to test people. You know, that's what I do. Je vais tester les cordes avant qu'ils ne partent. Vous voulez bien? OK? Ils aiment ça. Un, deux, trois. Ouais, t'es pas prêt. L'Italien n'est pas prêt. Soyez attentifs parce que le test, il va passer très vite. Really fast. Ne l'essayez pas à la maison, par contre. C'est facile. C'est pas difficile, hein. Moi, je peux jouer ça aussi, hein. Ça, c'est des lignes. Thank you.
na mwa simende na timbi wala ko singa bongo nyoli yuwa miene mokudi nena na divi mona sikwala. Ah bon? Oh oh. Palatine. Comment allez-vous? Merci d'être resté. They're still around. That's right. Bienvenue à notre live session. It's called a live concert. Thank you. Ready? Don't see that, I don't know.
papa. Pete wandoti e kombo boveri yadiana e kombo eta musango mon petit minde ya na villa pon la onne bon engi kila yenge di ban ganto bangan bela bumba ma vona di bumori ningi tumba ta ki ma babi so singa mon di mama bilananja mon pitié non non bona songo bata wo ya musuku ba bole ba bori bo ma sende di non non na dango zair na tena kongo na sibila mwanda mtaka mwindi mono non. Moya bo singa on bota moto wasin mokina yende nya ifota when all is sounded ye bona mbade be mune bakwiti be body be something about it une nya sala indi wole mi kai nya be mkai kaboy denge malaba. Bam 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 bam.
so smooth, trying to keep my cool. I can't help myself, you make me act a fool. Sweet thing you say, sex the way you move. I get so excited, babe, I don't know what to do. Really wanna be your only one, forget about the rest. Really? Why start with good enough when you can have the best? Believe the what I'm trying to say. Won't you stay? I stay with you. Baby, don't stop doing what you do. And Mutona saying, join ya tonight. I want your mama in my the jingle and wall. Mon by body, this is the baby, good friend, good friend. Ne bani tu malondo ye ne kombona ne ni te wa wenge mune mama siba monjika we ya botele nomba mule mama love me, doing what to do, babe. Cause I mean, I know that's how I love you. I'm such a lucky guy, I got you next to me. In the baby, no, please don't go. Give me a chance, chance you so sure. You need to stick with me. I can be more than you know. I'll be your best friend. Hold on. Baby, everything you need, well, you can find it in me, oh no. Ina kuse ba musima, na na ben muto. Sona muna wunja in ulogi nyangana. Yeah, my friend, bukate na na ben na wa muto. Stop loving me, yeah. Come on. Ooh. Don't stop loving me, doing what you do, baby. Cause I mean, I know that I guess I'm loving you. Lucky guy, I got you next to me. In the baby, no, please don't go.
Merci. Adam Stoller. Merci. Nous allons, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'allais faire chanter le public, parce que j'essaie toujours de faire chanter le public. Vous pouvez être sûr que mon public est là. Bah, bien sûr. Vous dites toujours, mais moi je teste toujours. I go down and test. Let's play the pita. Gina, that's your beer? C'est interdit au moins de 17 ans. Là, mais là, c'est à votre tour de chanter. Pone ma tomba, punde ponagne de balé. L'ambolé, moi, c'est moi, lui, ma topo, topounia. Les ponies m'a tombé. Ah bon? Incredible. Les bolambindons, les bavelles d'imaï. Les bolivignons, le pangibiso, mandrama, surtout maladie. Wenge. Les bolambindons, les bavelles d'imaï. Les bolivignons, le pangibiso, mandrama, surtout maladie. Il module en plus, hein, ici, là. A l'oukouya singa l'anbouye, ne me la te wo. Ndenge na la peine de Babigno, c'est dit balan. Et c'est le samba di pandise, di na la lombe. Di bon le pe mo ma son magno, la ma bon la ma bon. Nengambie si ma sese, tomo ton bousin. Na singi pona mubie pai amatika ndiyo bata abata eh 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 eh. Et les places à 5 francs là-bas. Chantez. Bravo. Incroyable. C'est pas fini le test, c'est pas fini.
Toi, t'es encore ici? Mbemba mutula motonye point malade. Botu we babajita. O wasitembusa mimi mbumi tombi. Biana botu mwende bona. Biala bongo wenge be pande mani. Longe lente nika. O emite idiba brande mounyenge. O lepe ve son venge ya mdome. Balalo kwalat. Inge mwa balalo. Balalo topo. Biana botu wende tu bonan. Tate oye senja. Inge mwa balalo ne. Tu na ma poco Biana botun wende mbona Mbemba mutu la motonye pon maladi. J'ai oublié les paroles. La dimbe di biala ma mwenge mwami. Ya sonne ton longo tiena. Personne ne comprend ma langue, je m'en fous. Je vais la chanter la 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 la. Il ne tient des dents le refrain. Oui, dis-moi, balalo. D'où tourne ma pocore. Bien à bout, tout le monde est ton bon âme. Tate, oui, c'est Django. Oui, dis-moi, balalo. Ah, vous aimez les anciennetés, hein? C'est qui le chef ici? Dans tout ça, c'est qui le chef? Même Bernard Lama ne faisait pas ça. Bon, on va faire une petite chanson française aussi. Pourquoi pas? Tes chansons françaises. Ok, quand même. On est en France, on chante en français. Ouais. L'hymne national du Cameroun. Sécurité. L'hymne national. L'hymne national du Cameroun n'est même pas un hymne camerounais. Non, c'est pas un hymne camerounais. C'est pour ça que moi je ne chante jamais. Le jour où on aura un hymne camerounais, je vais le chanter. Votre hymne là, parara, 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 c'est quoi ça? C'est pas un hymne de chez moi ça. What the hell? T'as déjà entendu les hymnes africains? Pam, param, pam, pam, parara, pam, parara. I'm like, non, 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 non. I'm sorry. Un hymne. Chante-moi l'hymne national camerounais. What the hell? Alors, j'ai dit chanson française. Et la chanson française, c'est un état d'esprit. C'est une manière d'être. C'est un. Tout est dans le regard. Ça commence toujours comme ça. Tu es parti. Un soir d'orage.
Tu es parti sans te retourner. Tu n'avais pris aucun bagage. J'avais cru que tu reviendrais. Deuxième verset. C'est dur de croire. Faut bien prononcer les R. Que t'es parti. Me faites pas rire. Faut que je fasse ma chanson. Oui, vas-y. C'est dur de croire. Que t'es parti. C'est dur de croire. À l'abandon, toi qui disais que les enfants étaient les maillons de notre chaîne. Alors ouais, langue de Molière, hein, attention, on connaît. Et là arrive toujours le refrain, là il faut un peu monter. Que dois-je dire à Nathalie? Quand elle baissera les paupières, elle l'a fait aujourd'hui pour me demander où est sa mère. Deuxième refrain, toujours aussi péchu. Et que dirais-je? Un bon prénom de mec. À Olivier. Quand en pleurant, il te demande, dois-je encore lui raconter que tu te trouves au café de la danse? Merci, merci, merci. Vous voyez ce qui se passe ces jours-ci? Je prends toujours 5 minutes pour raconter un peu, you know, ce que nous vivons tous ensemble ces jours-ci. The main problem we got, le problème principal qu'on a, c'est les politiciens et les banquiers. Je sais. We got to hang those motherfuckers. And we're going to do it. At some point, we're going to have to make some big decisions. Nous allons prendre des décisions extrêmes pour ces gens-là. Really. Je me suis fait récemment presque arrêter à la banque à New York. Est-ce que vous vous êtes rendu compte récemment qu'à chaque fois quand vous regardez vos relevés d'identité bancaire, il y a toujours des petites charges. C'est pas beaucoup, hein? 85 centimes, 1 dollar et 5 centimes enlevés de ton compte. Et comme ils savent que vous n'allez jamais réclamer cet argent, parce que vous sortez du boulot, il est tard, il faut récupérer le petit gamin, machin, tu, ah, c'est qu'un euro, ah, je dis non, enlevez. Et c'est une machine maintenant bien huilée. Vous avez déjà essayé d'appeler une banque ces jours-ci? T'appelles? For English, press 1. For French, press 2. For Spanish, press 3. For Swahili, press 4. Et quand tu as finalement trouvé ta langue, on te donne des options. Pour le chéquier, press 1. Pour le... C'est une communication payante aujourd'hui. Meantime, you're paying. Et quand tu as finalement trouvé dans ton option, on te joue une musique que tu n'as pas demandé. Cling, 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 cling. And chances are, tu vas te dire, you know what, fuck it. Mais moi, je n'abdique pas. Et ça, jamais. Je reste au téléphone. Finalement, j'ai quelqu'un. Yeah, may I help you? Déjà, le mec est stressé. Stressé que tu sois resté si longtemps à attendre. Et moi, je suis toujours poli. Hello? Good morning. I'm Richard Bonner.
Alors, voici la question que j'ai. Ouais, il faut prendre un rendez-vous avec un manager. Je ne peux pas vous aider. Ah, OK. I'm coming. Je viens à l'agence. Est-ce que vous pouvez m'enlever ça, madame? Elle me dit non, il faut prendre un rendez-vous avec le manager. Comment je prends le rendez-vous avec le manager? Elle me dit rentrez chez vous et appelez au téléphone. Comme c'est une machine bien huilée, c'est bien organisé. Parce que vous vous dites, si la banque, elle a 10 millions de customers, clients, 10 millions out of a dollar, c'est beaucoup d'argent. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup d'argent. Et elle n'a pas compris que moi, je n'abdique. Je lui ai dit, maman, il faut enlever l'argent là, parce que je ne vais pas partir. Je vais faire du sitting ici, je mets ma natte là. Dans mon village, on met la natte. Je mets l'oreiller et puis j'attends. Si le manager n'est pas là, mais il est en vacances, j'attends, il n'y a pas de problème. Fermez la banque, j'attends ici. C'est ce que mes oncles font souvent au pays. Quand ils savent que je suis dans un hôtel, ils viennent faire le sitting dans l'hôtel. C'est quoi? Mon fils est ici. Donc, je fais mon sitting et la nana me dit, OK, bon, vous ne voulez pas comprendre. Elle me fait, next. Elle appelle quelqu'un de derrière moi. Next, au suivant. Comme si je suis invisible. Come on, man, look at me. Et là, je fais pour m'amuser. Je mets mes doigts dans le truc et je prends 5 dollars dans sa caisse. Parce qu'aujourd'hui, les banques ont le droit de nous voler, mais nous, on n'a pas le droit de voler aux banques. Hein. Avec tout ce que les banquiers ont fait en 2008... Aucun n'est allé en prison. C'est quand même fou. Hein? Mais vous, vous allez en prison tout de suite. Essayez d'aller voler chez ED, l'épicier. Là. You get your ass kicked like a motherfucker. Alors je prends 5 dollars. Je tire. La petite blague devient folle. What the hell? Elle tape le bouton rouge et là, tous les rideaux de la banque se ferment. Pam, 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 pam. J'ai jamais vu ça. Waouh, il ne faut jamais aller cambrioler dans une banque. Hein? It doesn't look good. Et là, arrivent des flics 3 minutes plus tard, mais avec des guns, mais alors énormes, et les mecs, ils allaient vivre. Yeah, what's going on? On dit au flic, il a volé 5 dollars. Même le flic m'a regardé, genre, what the fuck? He's a man, dude. Are you stupid? You steal $5? Come on, man. Tell me a better story. Shit. Il me fait, buddy, are you all right? Parce qu'il s'est dit, lui, là, il doit être coucou. Mais je lui ai dit, mais I'm better than ever. Donc je lui ai dit, comme ils vous ont raconté leur version, il faut que je raconte aussi ma version, c'est ça, non? Je lui ai dit, dites-moi un peu, là. J'ai autant d'argent dans cette banque. Vous croyez vraiment que je vais venir voler 5 dollars dans cette banque? D'abord, est-ce que vous avez des preuves que j'ai volé 5 dollars? Elle a dit que j'ai pris 5 dollars. It's your word against my word. Donc vous me volez, moi je vous vole aussi. C'est ma loi. Don't fuck around with me, man. Enfin, maintenant, le manager sort. Here comes the manager. Yes, how can I help you here? Donc le policier lui explique, disant, il ne faut pas nous appeler pour les problèmes 5 dollars là, parce que vraiment, ça va quoi. Vous appuyez le truc d'alarme, nous on croit que c'est un cambriolage, on arrive, vous avez des problèmes, il faut régler, machin, machin. Il prend ma carte, il la passe sur la machine, je tape mon code là, pam, 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 en 20 secondes, il a tout enlevé, toutes les charges. C'est pour vous dire que quand vous avez les agios, c'est comme ça que vous les appelez? Injustifié? Go get your money back. Don't let them take your money. Faut pas. Il faut aller le chercher. Le problème, c'est en fait vous. Comme ils savent que vous venez jamais chercher cet argent, they're like, you know what, fuck you. But you know, but nobody fucks with me. Listen, j'ai dit au manager, listen, the system don't kill me, I kill the system. Si tout le monde est comme moi, man, this system will fucking die tomorrow. Tomorrow, I give you 24 hours. En plus, il me dit, on n'avait pas besoin, we didn't need all this nightmare. C'est moi qui ai appelé la flic. Donc, le problème, c'est les politiciens et les banquiers.
Nous allons jouer, hein. Mais il faut que je vous dise, parce que demain, vous allez oublier, quoi. Il ne faut pas oublier. You can't forget. Regardez la NASA maintenant. Tu sais ce qu'ils nous disent? On vote un gros budget. Voilà comment on prend votre argent. On va voter un budget à des milliards, hein. Tu vois des chiffres? Moi, je ne regarde pas la télé. Le seul moment où je regarde la télé, c'est quand je suis dans les hôtels. Là, je me fais chier comme un rat mort. Je joue, je suis fatigué. Bon, allez, je dis, je vais quand même switch pour voir à quel niveau ils sont fucked up maintenant. Maintenant, la NASA a un gros budget pour essayer de parler aux extraterrestres. Guys, now, wait a minute. Je sais que je n'ai pas fait de longues études quand même. Ils vont voter un budget pour parler aux extraterrestres. Vous savez, en utilisant des radio dish satellites, moi j'ai une question à poser à ces gens qui sont censés être les gens les plus intelligents de notre, you know, whatever it is. Pour être à la NASA, il faut quand même être, il faut pas être un bassiste, quoi. Il faut un type, voilà, quoi. Comme, voilà, un peu un bagage comme François Hollande, un truc un peu plus consistant. J'ai une question à leur poser. Qui vous dit qu'il y a les aliens là-bas? Et qui vous dit que s'il y a des aliens qui veulent vous parler, parce que pour parler, c'est un dialogue, hein? You wanna talk? Si quelqu'un ne veut pas te parler, il y a un dialogue. Parce que si moi, je suis alien, que je suis d'ailleurs même, I don't want to talk to people. I'm a fucking alien. You know what I mean? Alors, le principe, c'est d'envoyer des signaux radio dans la galaxie en espérant que s'il y a un alien qui puisse répondre. Et ils disent que ça prend 350 années pour que le signal atteigne la galaxie. Donc, ça veut dire que d'ici à Paris, quand tu fais « Allô ?» 700 ans plus tard, si quelqu'un répond, what? Non, man. Are you kidding me? Get the fuck out of here. Pendant ce temps, on a des écoles qu'il faut rénover, les rues qu'il faut rénover. Non, il faut parler des projets de 700 ans. Man, I'm not here 700 years. I mean, 700 years, on est tous partis. Enfin, moi, je serai là. Richard Bourne, ladies and gentlemen. Nous allons, merci. Qu'est-ce qu'on va leur jouer? Ah, c'est des gens me disent souvent, oh oui, Richard, on est venu, mais t'as même pas fait un solo de basse, quoi. Tu veux me tuer, Richard, t'as pas fait un solo de basse, ça. Hey, je suis pas bassiste, moi. Je suis un comment ça se dit? Hey, I didn't know about a curfew. You can't tell me, no. You tell him, I don't know curfew. Fuck that. You know, no. Maintenant, on me dit toujours à la dernière minute, oh, by the way, il y a un break. By the way, il faut que tu fasses au curfew. Oh, wait a second. I will play as long as people are here tonight. C'est quoi ce truc de curfew aujourd'hui, dites-moi? Tu fais un concert, t'as envie de jouer, on te dit oui, mais par contre, parce que l'union, parce qu'on est dans le truc, la CGT. Bo, fuck the CGT. Man, I want to play music. Il y a des Antilles dans la salle. Par là, petit, je chante les tiens.
Attendez l'eau, attendez le lambi. L'amour c'est très compliqué à Paris. En lui on parle d'antin l'île. Paris finit les bonbons. Allez où t'en bras, puis que trouver une plus belle vie douce qui est en l'air. Nous qui marchons main dans la main pour aller à Bastille, pour chercher bonus malus. Nous qui marchons les rivières, marchons bouche dans la bouche pour aller chercher François Hollande.
vous. Si. Everybody. What time is it? 10 o'clock. Oh my God. Il n'est que 10 heures. Mais pourquoi ils me disent que ouais, on a un coffee à 10 heures et demie? On est là. C'est quoi? Je dis, hein? Dites-moi un truc. Après 10h30, qu'est-ce qui se passe dans ces salles? Rien. Voilà. On a nos trucs là, nos règles. Ouais, ouais, 10h30, il faut arrêter parce qu'on a un curfew et tout. On rentre et à 10h30, il n'y a rien ici. Jesus, we got time. And soon we be dead. So, you know. Alors, je vous disais, ah, je vais faire mon looper. Alors, le looper, j'ai fait une interview récemment. Il loupe quoi? Il loupe quoi? Il loupe ce que tu veux. Et... Mais je rigole. Dites-moi. Je viens de faire une interview, c'est ça, hein? Voilà, l'Express Magazine, parce que je suis foncièrement contre le playback. Parce que 9 concerts sur 10 que vous voyez tous les jours sans vous en rendre compte sont en playback. Tout à fait, merci. Pour ceux qui savent, ils le savent. Et je suis contre ça. D'ailleurs, j'ai fait une interview. Et je reçois maintenant des petites menaces, mais par derrière, comme je dis chez nous, on dit les menaces par derrière. J'ai dit, mais menacez-moi devant. Face à face, yo man, I'm gonna knock your ass out. You know? Non, ils font des trucs, ouais, tu devrais pas, parce que machin, tu devrais pas quoi. Quand les sportifs se dopent, on est les premiers à taper dessus, moi aussi. Quand on nous vend de la viande de cheval au lieu d'avoir, on est les premiers, on est dessus. Alors, quand on fait le playback, je suis pas contre le playback. Simplement, si vous faites un concert en playback, maintenant dorénavant, mettez concert en playback, que le public sache. Poulet fermier, poulet aux hormones. Récemment, je fais un événement en novembre ici, à Paris, j'arrive avec mon pote, un guitariste, Sylvain Luc, que vous connaissez certainement. On arrive tous les deux, le mec nous fait « Vous n'avez pas un CD qu'on peut passer ?» Non, franchement. I'm like 2012. Mais bientôt, on est fini, là. Les télés ont peur maintenant du live. Les artistes ont peur du live. You know, mais, et vous, le public aussi, vous avez peur du live parce que vous achetez ces concerts. Oh. Donc, dorénavant, lorsque vous voyez un chanteur danser beaucoup, posez-vous la question. Premier indice, quand vous voyez le mec qui danse beaucoup, il y a beaucoup de danseurs. Et on ouvre le micro qu'entre deux morceaux. Et vous les entendez respirer, parce que danser demande beaucoup d'énergie. Mais quand le prochain morceau commence, on ne respire plus. Ok? Donc, pay attention. Quand tu payes un concert, you gotta pay attention. Ou vous allez sur YouTube, on a vu des micros tomber qui ne font pas de bruit. Je nomme personne, je dis simplement, la chanteuse, elle a le micro à la main. Évidemment, avec beaucoup de danseurs sur scène, on ne sait jamais qui suivent. Il y a tellement des autres. Et quelqu'un tape sur sa main, le micro tombe, et la chanson continue. Le micro est parti, il ne fait pas de boucan. Maintenant, la chanteuse a trouvé un moyen de mettre des gants. Elle a un velcro dedans. Tu peux lui assommer avec un marteau. Le micro, il ne va pas tomber. Et vous payez ces concerts. Ça, c'est juste pour vous informer. Et je vous informe juste. OK? Parce que quand j'achète un poulet, je veux savoir d'où vient le poulet. N'est-ce pas? Normal, quoi. Vous imaginez, vous vous préparez pour une compétition pendant 4 ans et l'autre, il arrive, il est bourré. Comment? Hé, combien t'as payé? I'll give you money back right now. Tu sais, je me suis dit,
Dès aujourd'hui, à chaque concert, je vais informer mon public sur le playback. On est envahi par le playback. 9 concerts sur 10 sont en playback. OK? Donc, qu'est-ce que je vais vous faire donc? Le loop quoi? Non, le loop c'est le playback. Ah, on va vous faire Suninga. Moi je m'en fous du curfew. That was the song, right? Suninga? Mbemba mama ou Suninga? Ok, Mbemba mama, c'est la fête des mères bientôt. Fais le playback dessus si tu veux. C'est parti, c'est toi qui le compte. Ici Bilambo, le Kwadinde non, le Yangandemba, na bole bola niene, Mwinjamia Londoru, Anyaki Mamo Mene, Nabanaba Wenge, Basibi Bungwe Beto, Moloita Tite, Wenge, Didier Beningao, et tout Nanginia qui est le Tombene. Dankuma, yeah, dankuma, eh.
Kapileko Dutunye pono benge E maleye biso makane E dale yo isinga E njeba malangwa no wanye Tonin buleri Mwate waso po Na mwano manyu mwanjo Galobo le ababo na babe Mano sen sen Vesina me mateko Vesina me bobo O sen sen sen, o sinan levan de kora, veni keni tsuba baba. O sen sen, wo wo wo, dende tini na lovan wo wo wo. O sen sen sen, ba 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 ba. Sen 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 ali, wo wo wo. Volume up, volume up. Whoa, whoa, whoa. Bobby, sen, sen, sen. Sen, sen, sen. He found it in level. Vincent Perani, Jean-Philippe Pace, Fred Palace, Mario Forte, Joanne Renard. Mon nom est Richard Bonnat, merci d'être venu. Et le prince.
Bon. Non, 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 restez debout. Wow, 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 wow. Le concert commence maintenant. C'est les gens du curfew qui vont être contents, là. Le vrai concert commence maintenant. Tout ce que vous avez entendu, c'était juste un essai. Adam m'a dit aujourd'hui dans le bus, mais Parisian people don't know how to dance. That's what he told me. Moi, je rapporte toujours tout. Moi, je suis... I'm just a messenger. J'ai passé bon d'Ivoire. J'ai passé bon d'Ivoire. Timba son namba tu. Insi me la on de no hoba. Hey, tungu, hey, tungu, hey, da. Comme la mila mouni na nyendi Oima la beke pemba na bele wawten Ali comme la ndolo na nyaki doto wenge Oima la beke pemba na bele wawten Na sita po na biya Na nika nota no Na iwe di timbea E se bango bonene Na singi se se jita Motimba na mbadun anye Jepe se boni wawten Timba son nambadu Ya singa benyenge na malongo no bukate selibo Monje pese boliwa Timba son nambadu Ya singa benyenge na malongo no bukate selibo Tenderu pipe na lando Hepa, esendi Napia longo la calatimo Oi mambo la peto sona loco Neba mokule mapamba mona Iben kwen polona Na sengi muta kamongo Neba menete na mie diwa La cala timo, oi ma bola veto sona loco, de ma mukule ma kwamba mona ipen kwe polona, na singi muta kamongo, de ma men. Let's go.